font d'autres tentatives. Écrit, en fait, j'ai écrit sur ce compte là et je vais regarder les textes à nous. Ah, bah, Nenel Kassi prend un show et puis nous pas dit ça. Ou pas, nous au courant. Bon, mélangez tout barré. Pas de me dans ça, là, ça. Ou non, pas de faire oublier ça. Ou bien, j'attendais. Nenel avec Boudzoukou Tapla, il faut tourner là. Pour convaincre mon la diaspora, pour vous et mon AKP, vous connaissez. Oui, allez, ça a vous et vous en mission, mais j'en bats là, il y a là, Nenel, le Louvre, pour qu'il y ait une contrariété. Et c'est pour ça que vous Pour l'autre bail là. Ça déclare sur ma distinction, on va parler. Bon, pas dit ça pour le parité. Bon, pas dit ça pour le parité. On parle de déclaration sur ma distinction. Non, bah, la DCPJ, bah, la gaille. Bah, la gaille. Couteau, il y a un couteau qui est tué commerçant dans la machine Nenel Kassio. Hein? Mais oui, il y a un couteau qui est piqué, Zamia, hein? Il y a une machine Nenel Kassi. Mais ma distinction dit ça. Et un DDH, tout le monde va la gueule. Bon, regardez moi, c'est ma question. Où est-ce que tu viens de ça? Bon, regardez moi. Regardez moi si Greg s'est sorti. Moi, un bouton gris, moi, tout le bouton. Il est sorti? Donc, il y a une précaution. On dit qu'ils ont des précautions, le bon sénateur police, à l'air de mon directeur, Gabriel Papa. Je dis à l'idée de mon directeur, ça va même gagner un visa de l'inspection générale de la police. Il va connaître si l'inspection générale de la police est responsable de la police, il va délivrer un certificat au député du monde, elle se sentit. C'est un mot du Nenel Kassi. C'est pas un monde qui a une grande moralité. Nenel Kassi a gagné tout. Par exemple, dans l'assassinat de Pierre Mathieu, dans tel macabre pays. Ce sont les commerçants qui ont été assassinés. Et aujourd'hui, c'était dans un bon débat. Pierre Mathieu, on est ministre de la Caïmane. C'est très bien, nous, de l'école. C'est des conditions. Je ne sais pas quoi n'a pas des armes, même si c'est toujours bon pont là, dans ma chine, dans le lit, les côtés. Les bandits viennent attaquer Pierre Mathieu. Je suis râlé, kidnappeur. Râlé, pont là, le pressé, on l'a d'ailleurs. Les DCPJ viennent mener enquête. Machine, paradoxalement, c'est la dernière qui a quitté dans la zone d'Elma 41. Les DCPJ viennent prendre machine. Qui était vite écrasé. Pour y être blessé. Qui dit qu'on a kidnappé, qu'on a tué les gens à la pointe, qu'on a tué les gens dans la machine. Alors, si vous êtes capable d'opiner aujourd'hui, sur le directeur général de la police, ou le contrôle directeur général de la police, pour aller changer le monde dans le DCPJ, pour aller éliminer le dossier, vous pensez que le directeur de police a besoin? La police va faire. Mais c'est un jugement à rapporter dans le conseil et puis il n'y a pas d'un écrivain dans le cassé. Ou pas, je suis de CPJ de convoquer dans le cassé, il dit fait conférence de principe à parler. Ou pas comme ça. Donc, j'ai intérêt pour des CPJ par cet travail. J'ai intérêt pour que Bandic vienne dans cette police là, pour que police là. Pour faire contrôle police là, pour faire des vagabondages. Mais même pas de balle. C'est quoi, Kose? Kose. Donc, Nenel Kappa, Nenel, il doit tout arrêter. Oui, mon rappel, non. La rentrée quand même? La rentrée quand même? La rentrée. Bon, elle finit, mais. Il n'y a pas même pouvoir que là, encore. Mais il y a une mobilisation qui a fait pour les CBJ pour l'aéroport pendant la venue là. Pendant la tournée. Bon, ça dit, pour le bout, ça dit. Pour le bout, qu'a fait l'été? Bon, nous arrêtons là-bas, si au besoin, vraiment. Mais c'est Nenel qui a fait campagne là pour le conseil électoral provisoire pour diaspora intégrée KIP. Il y a absence de couteau, nèg qui mourit, nèg maquette qui mourit d'Elma 40 ans. Il y a un couteau dans la machine, sénateur Nenel. Mais Nenel te dit, machine était recevant pile cartouche, ça. Bon. Beaucoup de machines, est-ce qu'elle a mis des CPJ? Bon. Nous n'en bolons, nous. Nous n'en bolons, nous. Un dossier nous a traité avant pour te couper à joindre. Oui. Et nous te font parenthèse et j'ai sauté rentré là pour te combler vidéo. Oui, on a parlé de gaz, est-ce que camion délégation qui allait très cher, Nenel là dans le tout.
Oui, oui, André Michel, la voix de l'Amérique. La voix de l'Amérique font oui. Un reportage sur lui. Très bien, très bien. On nous garder avec Mario Serran pour la voix de l'Amérique. Pendant ce temps, il y a deux leaders, secteur démocratique et populaire, qui rencontraient membres communauté haïtienne en New York. Valério Saint-Louis était sous place. Les détails. Merci Jacques Belizer. C'est dans un restaurant haïtien qui est dans Long Island, New York, côté que deux figures politiques du secteur démocratique populaire, Maître André Michel et ancien sénateur Nendel Cassi, ont rencontré Chitano Réunion ensemble avec 12 leaders communautaires, membres de différentes organisations de la communauté haïtienne dans la cour New York. Pour nous, c'est important pour nous faire réunion ça à soi. Hein? Et moi avec sénateur Cassi, fondamentalement à votre disposition. Et une fabrique secteur démocratique et populaire, c'est la transparence. Réunion politique, ça a été très animé. Et parmi plusieurs points qui étaient discutés jour soir, ça, une yo, c'est accord politique. Accord politique, là, on dit, après 8 jours, il faut que le gouvernement monte. Je ne sais pas si on a parlé de l'estapement de Michel Béni, la bombe du beau français, la bombe belle parole, et puis la femme douce, la femme dormie. Non, je ne sais pas le monde. Je ne sais pas le monde de Kassi qui compte le pays. Il y a un autre point qui était discuté pendant la réunion, ça, entre leaders politiques avec membres diaspora, c'est certainement. Problème insécurité, ensemble avec gang armé qui a envahi le pays. Vous parlez de gang qui gagne. Qui est-ce qui mettait gang yo? Pendant les 10 dernières années, c'est le PHTK qui a gangstérisé le pays. Pendant que nous avons groupé entre nous, nous avons une population qui n'a pas à l'école, nous avons un groupe qui n'a pas à traverser Matissan, nous avons un groupe gang, c'est la situation, nous n'avons pas de courant, nous avons un problème de carburant pas à gérer parce que vous vous battez entre vous. C'est une rencontre formidable. Rencontre formidable parce que nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire, nous estimons, nous avons responsabilité pour nous expliquer, Zaminoyo, Frenson qui est dans la diaspora, choix politique que nous faisons. Et c'est ça que nous avons fait. Effectivement, par rapport avec intérêt, et que nous avons dit, organisation ça, représentant organisation ça, manifesté pour SDP et par rapport avec les décisions que SDP prend. Et que vous-même, vous voulez sentir, vous voulez sentir confortable, vous avez besoin qu'on ait, est-ce qu'effectivement, nous faisons le meilleur choix et pour nous bailler une certaine garantie que le pays a sorti de sa vie. André Michel et Nenel Cassi du secteur démocratique populaire, après réunion ça avec membres diaspora, ils ont dit qu'ils ont retourné en Haïti très satisfait avec en bas bras, revendication diaspora. Moi, à retourner en Haïti avec un sentiment que Zami nos frères qui vivent dans la diaspora, yo très attentif à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Moi, quoi que bon message qui passe. Message l'a passé parce que effectivement auparavant, yo te gagné une idée ou bien yo te gagné une compréhension totale. Est-ce que le reportage là est fini Ikaba? Est fini. Donc information que moi je viens là de direct depuis des CPJ que je ne peux pas partager sous ce point, il n'y a pas seulement couteau hein, comme indice, preuve palpable que vous jouez la machine. Il n'a pas rappelé aux amis auditeurs, depuis l'événement, arrivé jour que je vous dis, la machine ça a toujours dans des CPJ. Et pour qui ça, information ça, c'est cool, il y a un public. Vous voulez que vous avez une enquête qui fait déjà, vous avez un rapport disponible. Pour qui ça, c'est dans le moment ça, l'information ça. C'est M. Madistin, vous avez demandé, vous avez révélé. Non, mais il est bien expliqué, oui. M. Madistin fait révélation ça en fonction de côté bourré, M. Michel et sénateur Cassi a fait à pression qu'il y a bail. Premier ministre Ariel Henry pour changement qu'a fait au sein de la police nationale d'Haïti. Ah, ok. Pour être capable de débarrasser ou des entraves qui sont sur route Nenel Cassi. Automatiquement, il vient mettre monde par dans des CPJ, mettre monde par dans une série d'institutions clés dans la police là. Et puis, il y a cassé fait couvrir ça et puis commencer à mourir le mourir net. Non, je me l'ai dit, l'organisation doit mourir tout, il y a accès à travail des CPJ à faire. Donc, rapport ça, Samuel m'a dit, c'est fait mention de lui. C'est pas juste dit, elle était là, elle était.
préparé, il était disponible. Mais tout dépend de qui l'a joué, mon frère. Non, c'est pas parlé de plus. Ce n'est pas lui-même en soi, non, mais information non, ça y est. C'est Kounia. Oui, non, ça veut dire information. Oui, non, mais information ça y est, il était capté dehors bien avant. Oui, non, mais. On ne connaît tout. On ne connaît pas. Non, même il y a l'impression que c'est. Tu demandes ce qu'il faut qu'on savait. Non, mais information ça a été disponible déjà. Non, même il y a l'impression que nous, pas d'aller chercher. Donc, c'est des questions à poser. Même nous, même des questions pour nous, pas d'aller chercher. Si information ça a été disponible déjà, qui compte autant de parler de ça? Parce que le rapport a été là, c'est sous base un rapport, la parler. C'est pas de bagaille, la dit de parler. C'est-à-dire que c'est non rapport de CPJ. Il fait référence à un rapport de CPJ. Rapport à là déjà. Qui les rapports a sorti? Écoute, il est au partage avec lui. Si des CPJ te demandent pour Nenel. Ça, bénéfice de ça, parce que nous-mêmes qui dans la presse là, nous pas de jambes au courant, fait couteau. Ben si c'est. Non, mais bon, nous-mêmes si nous avons fait travail d'enquête, nous tous, nous avons ça déjà. Depuis le DCPJ t'a invité Nenel Kassil Patalia, si nous allons chercher qu'on est, pour qui ça a été invité, nous avons besoin de réponse là. Oui, la question à savoir, pour qui ça c'est Kounia, M. Samuel Madistin, M. Ldeo, moi dit peut-être c'est Kounia qui joue une information. Yo. Peut-être, il mettait information ça au dehors parce que il jugeait que c'est utile pour la population. Hein. Et manœuvre, monsieur Apmeneur, c'est des manœuvres dangereuses pour la République. Et les nègres ont demandé démission intelle. Et donc, il ne faut pas courir à le penser, c'est au bien-être du peuple. Ils ont demandé démission. Probablement, ils ont demandé démission pour faire couverture pour eux. Ça cap bon pour eux. Parce que, écoutez, l'intolérance ne conduit pas à la paix. L'intolérance conduit toujours à la guerre, guerrier. Parce que, je parle d'un bagage. En droit, il y a le fait. Et le fait pertinent. Donc, pour faire une analyse d'une facture, d'excellente facture, il faut que vous soyez capable de gagner un fait. Il faut que vous ayez un fait pertinent. Parce que dans l'analyse des idées, et pour faire une analyse profonde, donc il faut que vous ayez ça pour être capable d'analyser. Par exemple, je dis, hein, politique, qui est la politique là? En plus, le monde ne peut pas ignorer, mais. La politique, c'est le jeu de l'intelligence et de l'intérêt. La politique, c'est la perception. Donc, les capables ont perception, j'en saute dit là, Pierre Inel, mais en même temps, faut que nous ne pas confondre vitesse avec précipitation, ou même guerrier comme finissant en droit. Il y a la vérité, il y a également la vérité judiciaire. Donc, si nous connaissons, nous avons le droit à couvrir nos informations. Mais automatiquement, moi, ouais, secret m'a fait pour information que m'gen en même nan, capable de causer dégâts avec la République là, côté propre famille m'ka victime la donne, m'juge bon mette le dehors. Li mette le dehors dans moment côté que monsieur yo converti tête yo, ouais, monsieur parti dans bataille là, c'est changer moun, changement, m'a des démissions. Est-ce que démission ça, c'est dans intérêt peuple là? Ça y a dénoncé que c'est kidnapping et insécurité. Est-ce que vous même tu pas contribué là-dedans? Et y a l'élément de changement, probablement, y a besoin d'un remplacement d'un monde que y a fait plus confiance, guerrier. Y a fait plus confiance, PRR. Parce que si mon dossier dans des CPJ qui sont épais d'abouclés sous tête, moi, au timon des affaires, m'étais dans opposition hier, qu'on y a un pouvoir, même pouvoir qui dit la fait continuité, pouvoir m'étais dans opposition avec hier, malgré ça, m'a persisté. Eh bien, si je demande changement directeur général central police judiciaire là, et si son proche moi dans direction centrale police judiciaire, eh bien m'a dit bon machine là, bon couteau et puis éliminer rapport ça. Ah bon? Oui. C'est ça m'a mal parlé bon. De perception en politique, en même temps politique là, c'est jeu d'intérêt et d'intelligence. Mm-hmm. Ou là guerrier. Oui. D'accord. Seulement non apprendre que non, mais ça qui est important pour moi, c'est pas le mettre Samuel m'a dit c'était mettre le DO. C'est important son information gagner pour pas gagner trop dégâts faites dans société là, pour nous connaître qui est pour nous prendre précaution avec une série de monde. OK. Yeah. Donc nous apprendre rapport ça, tu as joindre paquet et on t'a demandé pour mettre un mandat pour arrêter Nenel Kassil depuis février 2021. Bon, probablement, il y a pour exécuter là, et dans l'aéroport, parce que ça m'apprend là. Il n'est pas bon, non? Pendant Nenel a rentré là, je vais te la caboussa. Haïti. Mm-hmm. Donc, on aura tout vu. Yeah. Lapton. Oui. Il n'est que d'attendre. Oui. Bon, on a pour retourner dans l'actualité. Actualité. Peut-être une actualité. Quand même. Non, on a pour retourner dans l'actualité. Vous attendez. Yeah. Bon, on a pour retourner dans l'actualité. Actualité qui était dominée par problème gazlan.
grève là et conséquences que gagnent là sous